Il est 6h du matin, on est dans un alpage du canton de Berne. Ils sont en train de traire les vaches. On va vous montrer comment ils font la fabrication du fromage et... Il fait un peu gris, heureusement Jessica et Raphaël, les deux fromagers de l'alpage, nous ont accueillis à l'intérieur pour cette nuit parce qu'on s'est pris un sacré orage. Aujourd'hui on va vous montrer la fabrication du fromage, ensuite on va aller faire un tour dans les environs pour vous montrer des petites pépites. On vous emmène avec nous, c'est parti. Ce matin, on a suivi toutes les étapes de fabrication du fromage, depuis la traite des vaches jusqu'à la cuisson du lait. Ensuite, ils ont récupéré le lait pour le mettre dans des moules et ensuite, ils le mettent dans des caves d'affinage pour affiner le fromage en retournant plusieurs fois et en le brossant avec de l'eau et du sel. Maintenant, on va acheter du fromage parce qu'ils font aussi de la vente directe. On va partir en randonnée au bord d'un lac qui est pas très loin et on dégustera du fromage sur le trajet. Donc maintenant, on a quitté l'alpage, on s'est parqué dans un petit parking juste là-bas. On est en train de se diriger actuellement vers le lac. C'est une randonnée d'environ 15 minutes qui est pas bien compliquée. Il faut suivre le sentier. On ne sait pas encore à quoi s'attendre parce qu'on n'a jamais vu le lac, mais il paraît que c'est magnifique. On se réjouit de voir ça. Voilà, on arrive à la fin de cette journée. Ce matin, on a pu assister à la fabrication du fromage et on a pu le déguster ici. Donc on vous rappelle qu'on est dans la région de Meiningen et le lac qui se trouve juste derrière nous s'appelle le Seebergsee. C'est un endroit vraiment magnifique et que vous soyez féru de montagne ou simplement amateur de nature et de tranquillité, c'est l'endroit idéal pour ça. Si vous voulez plus d'informations, on vous met un lien dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de loisirs.ch pour ne pas manquer la suite. Et nous, on vous dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.